Elle, Céleste, va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Je garderai ton secret. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Revelio. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitantes de Préolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Je vois un fangeux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est bizarre. Revelio ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Des peaux. Pauvres bêtes. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Revelio. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose ? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobelin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici.
J'ai un mauvais pressentiment. Revelio. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Touche croix. Félix. Utilitaire. Repulso. Touche triangle. Assigné. Touche R2. Diffindo. Repulso. Bombardard. On te laisse. La suisse. Bombardard. Par Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Lumo. Utilitaire. Vous permet reparo. Touche triangle. Assigné en haut. Reparo. Revelio. Alors, par Merlin? Ce sont des dragons? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant, et pourquoi ces secrets. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préola. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Lumo. Utilitaire. Sortilège d'invocat. Des illuses. Touche triangle. Assigné en haut. Touche cercle. Touche R2. Maintenir pour attribuer. Touche croix. Félix 1. Potion d'invisibilité. Relâchez touche L1 pour équiper. Cette potion a la capacité de rendre la personne qui la boit invisible de ses ennemis pendant un court laps de temps.
que je crois. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Moi, je dis que si on pourformait, il y a une sortie d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Nous n'en avons plus pour longtemps. Bientôt, nous serons libérés des chaînes des sorciers. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Lumo. Utilitaire. Andolori. Sorte. Sac de capture. Wingardium Leviosa. Confringo. De Flipando. Force. Diffando. Dégâts. Bombarda. Dégâts. Touche triangle. Touche R2. J'ai entendu ces gobelins. Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? De dragon, on dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Réveillez-vous. Allô, Mora. Joystick gauche. Déplacez l'étincelle verte. Joystick droit. Déplacez l'étincelle rouge. Touche cercle. Retour. Très bien. J'aime. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter.
bombarda. Les légumes en combat. Bénis de cette mauvaise herbe. Utilitaire. Vous permet de voir dans les zones sombres, ou de résoudre d'endolorer. Touche triangle. Assigné en haut. Touche R2. Savoir plus sur les compétences et les vulnérabilités de votre ami, consultez le menu collection. On va finir ce qu'on a commencé. Utilitaire, repulso. Force. Qu'est-ce que tu as fait? Touche 3. 3, 4, 3. Les emplacements d'équipement sont pleins. Terminez les défis des épreuves de Merlin pour obtenir d'autres emplacements d'équipement ou vendez les équipements dont vous n'avez pas besoin à des marchands. Action. Action. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Ah!
C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partisan. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus, ça n'augure rien de bon. Sortons d'ici. Que fait-on de l'œuf? Tu crois que les braconniers se vengeront? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Sortons d'ici. Tu crois que les... Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Sortons d'ici. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Rébellion! D'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Rebellio. Vos emplacements d'équipement sont pleins. Terminez les défis des épreuves de Merlin pour obtenir d'autres emplacements d'équipement. Vendez les équipements dont vous n'avez pas besoin à des marchands. Carte, les Highlands. Forêt 1, marais du Northford. Forêt interdite. Niveau de l'ennemi. Repère de crapaud violet géant. Makov, forêt interdite. Niveau, source de magie ancienne. Forêt 1, marais du Northford. Forêt 1, coffre au trésor. Forêt interdite, source de magie ancienne. 7, campement de bandits moyens. Ce campement est occupé par un nombre moyen de bandits. Coffre de collection. 0.